Ouais, bah c'est cool, on voit la bannière là derrière, champion de France 2022. Avoir participé à ça, c'était vraiment une belle expérience. Et voilà, c'est game time, je suis avec Monaco maintenant, donc il va falloir compete et gagner. C'est cool, non, de voir les gens. Mais derrière, voilà, c'est un match de EuroLeague, c'est important pour nous de gagner les matchs à l'extérieur. Et on va tout mettre en place pour gagner, mais c'est vraiment sympa d'être dans cette atmosphère ici à Lyon. Ouais, en tout, j'ai passé 5 ans, bah, ça me fait plaisir de revoir cette salle et de revoir les personnes avec qui j'ai grandi et j'ai évolué. David, Antoine, Youssoufa, Charles, Amine, tout ça, c'est des gars, et même dans le staff, Logomis, tout ça, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. David, Charles, Antoine, Youss, il y a pas mal de gars, des gars du staff aussi, donc ça va être cool de les revoir, jouer contre eux. Bon, Léon, et ils me tardent. Un avantage, je sais pas, parce que les plays vont changer, mais. Ouais, ça, je peux considérer ça comme un avantage quand même, parce que voilà, je sais un peu ce que le coach recherche. Je pense qu'ils font un peu, certains systèmes sont les mêmes que l'an passé, mais derrière, à nous de jouer dur et voilà, c'est la compétition, on veut gagner à tout le monde. Ouais, c'est sûr, c'est toujours un gros match contre l'ASVEL, parce que voilà, depuis 4-5 ans, il y a une espèce de rivalité entre Monaco et l'ASVEL, donc ouais, c'est sûr que ça va être un gros match ce soir. Le but pour nous, c'est de gagner, de jouer dur, de faire un match propre, complet et surtout jouer collectivement.